Le personnel des urgences de l'hôpital de Vannes était en grève ce lundi depuis minuit. Les grévistes pointent des enjeux de sécurité et d'accueil des patients. Ils demandent un vigile de permanence, un poste d'infirmière supplémentaire, une aide-soignante 24 heures sur 24 et un panneau indiquant le temps d'attente estimé. Des propositions de la direction avancées fin décembre ont été jugées insuffisantes. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a annoncé ce lundi un audit des grandes gares françaises. Objectif, mettre fin à la série noire de dysfonctionnements qui les a touchés ces derniers mois. La gare Montparnasse en particulier a connu plusieurs pannes, la dernière ce dimanche soir. La ministre a indiqué attendre des propositions d'action avant la fin avril. L'inquiétude monte à Torigné-Fouillard, près de Rennes, après le nouvel incendie qui a détruit une maison ce week-end. Pour la maire de la commune, l'origine criminelle du sinistre ne fait aucun doute. Les techniciens en identification criminelle de Rennes étaient sur place ce dimanche pour effectuer des analyses. Plus de 10 incendies se sont déclarés depuis l'été dernier. Un jeune homme avait déjà été interpellé et mis en examen en août pour certains d'entre eux. Deux associations brestoises montent au créneau contre la pêche électrique. La technique consiste à envoyer des décharges en amont du passage d'un chalut pour étourdir les poissons et les décoller du fond, permettant de les pêcher plus facilement. L'APEX, spécialisé dans l'étude des requins, demande l'application du principe de précaution. Morglaz, pour sa part, demande son interdiction pure et simple. L'autorisation donnée aux pêcheurs néerlandais de recourir plus largement à cette technique provoque une large levée de boucliers, notamment chez les pêcheurs français. Enfin, une cinquantaine de voiliers ont été débarqués au port de Kergroiz à Lorient samedi. Parmi eux, 7 60 pieds IMOCA de retour du Brésil et de la Transat Jacques Vabre. Près de 14 heures de manœuvre ont été nécessaires pour mener à bien les opérations. C'est le cargo Kingfisher battant pavillon d'Antigua et Barbuda qui s'est chargé de leur transport. Mmh.